Coucou mes chéris, connaissez-vous l'astuce selon laquelle quand on passe l'huile de la rose musquée au niveau du périnée, ça facilite l'accouchement et aussi quand on utilise ça comme pommade, ça évite l'apparition des vergetures pendant la grossesse. Si vous ne le savez pas, alors suivez-moi. Dès que vous tombez enceinte, vous commencez par passer l'huile de rose musquée au niveau de votre périnée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un périnée, c'est l'espace entre votre vésicule et l'anus. Quand vous passez ça matin et soir jusqu'à l'accouchement, lors de l'accouchement, d'abord ça va augmenter l'élasticité du périnée, du coup faciliter la sortie de l'enfant. On n'aura pas besoin de vous couper un peu le périnée pour que l'enfant sorte. C'est que ça sera bien élastique. Ça va faciliter. Aussi, quand vous utilisez ça comme pommade, ça évite l'apparition des vergetures, surtout sur votre ventre. Quand on est enceinte, on est plus exposé à l'apparition des vergetures. Donc, quand vous utilisez l'huile de rose musquée, vous évitez leur apparition. Donc, vous passez ça sur votre ventre. Vous pouvez aussi mélanger à votre pommade et vous passez ça de temps en temps, matin et soir. Vous allez voir, vous n'aurez pas de problème de vergetures. En tout cas, moi, je n'ai pas de vergetures. Quel que soit comment je suis enceinte, je n'ai pas de vergetures. Donc, c'est ça. La rose musquée, c'est disponible.